I currently have reason to believe the mortgage bond market is fraudulent. On vous écoute. Vous sentez? C'est quoi ça? Quoi? Ce qui sent comme ça? Votre eau de Cologne? Non. L'opportunité? Non, le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric. Ok. Chris? Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord? Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts triple A réunis, garantis par le gouvernement. La plus haute, la triple A, est payée en priorité. La plus basse, la B, en dernier, sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des B, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. En cours de route, certaines B et double B sont passées d'un peu risquées à merde de chien. Où est la corbeille? Taux variable, merde de chien. Et personne remarque que dalle. Personne remarque que dalle. Parce que les banques sont trop occupées à rafler des commissions indécentes sur ces obligations. Attendez, vous êtes une banque. Banque. Petite banque, grande banque, j'aime quand ça paye. Vous y êtes? Je vous fais un dessin. Je me trouve devant une maison en feu. B, 0. Double B, 0. Triple B, 0. Et voilà ce qui arrive. C'est quoi, ce qui arrive? C'est notre marché immobilier. The Big Short, le casse du siècle, au cinéma le 23 décembre. Je voudrais shorter le marché immobilier. Rien que ça. Pourtant, c'est un marché en béton armé. Je cherche la valeur partout où il peut y en avoir. Et le fait est que bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coup de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok ? Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ses obligations hypothécaires supposées être à 65% triple A sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors, foutez le camp.